Le Climathon Paris-Saclay 2016, en fait, c'est une initiative conjointe entre plusieurs partenaires. Donc, il y a l'Université Paris-Saclay, il y a la communauté d'agglomération Paris-Saclay, l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay et la Climate Kick. C'est la première édition du Climathon à Paris-Saclay. Ça se déroule en même temps dans 56 villes partout dans le monde. Tous ces acteurs, en fait, sont intéressés pour travailler avec les habitants, avec différentes compétences sur les problématiques de développement durable, de gestion des déchets, d'énergie, tout ce qui est lié, en fait, aux modifications climatiques. Et l'objectif, c'est de réunir plusieurs participants avec différentes compétences pour les faire travailler sur des sujets vraiment liés au territoire Paris-Saclay, sur la transition énergétique, pour faire émerger des projets citoyens et pouvoir les mettre en place a posteriori. Les participants, ils viennent d'horizons divers. Il y a des étudiants, il y a des enseignants de l'Université Paris-Saclay, mais aussi de Paris. Il y a des habitants aussi qui ont été invités, donc du territoire local. Et il y a des entrepreneurs. L'idée, c'est vraiment de mixer tout le monde pour faire émerger une créativité plus importante. Au final, chaque équipe va présenter son concept ou son projet sur une problématique qui aura été ciblée en amont. L'équipe qui va être vainqueur de ce concours, parce que c'est un challenge, donc il y aura un jury qui va élire l'équipe qui aura rempli tous les critères, donc la viabilité du projet, le lien avec la thématique, la motivation de l'équipe. Elle pourra en fait faire des entretiens avec les équipes de la communauté d'agglomération pour mettre en place en fait la solution qui aura été imaginée. L'équipe gagnante, c'est Organipost.